Azul Flaouen, Rabbi Souen, Sarmat Sirimakan Tavram, on se retrouve à Segui dans une nouvelle quotidienne pour parler de l'actualité, de l'actualité de Travat la GSK. On va parler, on va débriefer un petit peu le match Yadli Travat Pokvoger, Kramena nul contre Al-Harob, un nul avec le goût d'une défaite, parce que le classement et les autres matchs auraient pu, il aurait pu avoir un autre résultat que Zimanadiv dès complètement la suite dans la saison. Et une fois avec le mercato et avec la question qu'il a quand même posée, parce que depuis le début du mercato, on est à la presque, on a charrié, crève de semaine gaming vous avez le mercato, on n'a pas de nom, on n'a pas de piste claire, il y a des noms qui font un coach à droite à Nidnader, mais il y a toujours le mercato n'chtoua, c'est pas vraiment un mercato en deux matchs venant d'une équipe, en deux matchs venant d'un joueur, c'est très très rare en deux joueurs n'chtoua, ils m'ont équipé dans la saison. Et, est-ce qu'ils m'ont équipé dès maintenant, c'est un mercato qui a échoué, non, en Arjou. C'est quand même la question fait faire imposer la quotidienne. Donc, vous voulez une vidéo sur la chaîne, likez et abonnez-moi à la chaîne. La quotidienne, comme d'habitude, sponsorisée par Action Future, centre de formation professionnelle. Et oui, Ivan, revenu formation, MAD Canada. Ah, le lien est dans la description et dans le premier commentaire, comme d'habitude. Un échange avec la première rubrique, c'est avec le premier sujet qui est l'actualité avec Rahmani qui est finalement sera opéré. C'est quand même assez triste que le diagnostic la blessure Inès dès le début n'était de mic blessé contre Centena que ça va durer une semaine, 10 jours, puis finalement puis finalement ça a dépassé quand même l'entendement, hein, que le gardien Guy s'est blessé et que personne n'a pensé directement à l'opération. C'est vrai que dans l'aspect médical mais finalement l'opération c'est la première chose, mais je pense que ça va, c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est fait, tu vas aussi attendre la rééducation, la réhabilitation, le gardien Guinée, le joueur pour revenir, donc ça va te prendre du temps. Et ça c'est pas dans l'intérêt c'est déjà du joueur. L'absence à Rahmani ça n'a pas eu un impact. Oui, ça a eu un impact. Peut-être qu'il aurait pu sauver des buts que, mais voilà, il y a eu quand même, depuis l'absence INS, il y a eu deux matchs. Le match M0 contre le Mouloudi en 1-1. Et le match Wissin, c'est contre Chlef, on vient de le gagner. Depuis, voilà, Hadid, je pense que c'est un joueur qui n'est jamais mis en avant. Je sais pas pourquoi, il est pas mis en avant. Il est beaucoup beaucoup critiqué, je sais pas pourquoi, alors que maintenant on a raf zmeth critiqué Fius El Hadja et Nassid Nodriti, c'est sa condition physique. Mais la condition physique est de l'homme, le staff qui a négligé quand même la condition physique de, parce que les joueurs, à part Meglin, il y a un régime, il y a un suivi au quotidien, il y a un poids déjà, il y a un poids, il a carrément dépassé, il a carrément dépassé, voilà, tout ce genre de choses qui sont faites par le staff. Meglin, le joueur, il s'adapte pas à ça, et c'est un problème et tout. Oui, tu vas essayer de le régler. Mais Meglin, qui passe à côté, Uzmir Aladikchem, dans le régime Aguiné, dans le rythme qu'impose le staff, et là, le joueur net que ça t'a la réserve, c'est celle d'un autre joueur, d'un autre gardien. Mais tu vois, blé, le staff, il crée délibérément l'erreur de négliger la condition physique. Nous, c'est des joueurs de première division, de première équipe. Donc il négligeait même la condition des gardiens, mais on aurait Hadid, comment la condition physique, il s'est dit, il met le maintien, puisqu'il s'est dit que les matchs le maintien, et est-ce que c'est gagné, il m'a blessé à Rahmani, voilà la différence, il y a la condition physique, donc on a un loom le staff technique. Il faut mettre en avant Hadid, parce que depuis la prise, depuis le retour Inès, on resserra un petit peu sur l'aspect gain le gardien.
c'est un gardien qui croise mieux et de la confiance. Et c'est réussi d'une chance ultime. Cela blessure Egan Rahmani, doit profiter de s'imposer encore plus, de se démarquer et de se dénotifier. C'est l'un des gardiens, un gardien d'avenir, parce que il faut que de nous rallier l'avenir Rahmani. L'avenir Rahmani, oui, Béchad Youssef pour s'imposer, pour être le premier gardien. Mais il faut dire les choses, l'avenir de Tervatallah Jaska, ça va être Hadid, ça va pas être Rahmani. Donc, je vois pas erreur, on le néglige à côté le gardien de Guess, ainsi, quand il y a une blessure, quand on est ou réchit et tout, il n'y a pas de critiquer sur la condition physique, si tu l'as négligé, alors que tu aurais pu lui permettre, justement, d'avoir une chance, et actuellement. Voilà. Donc c'est quand même le sujet va de Nazar sur l'absence à Rahmani qu'on espère durer le plus vite possible parce que la qualité antique elle est importante. Nous allons contre Steve, nous allons contre c'est un gardien de premier plan. Il y a pas de différence. On est qui est national, c'est même pas un sujet. Voilà. Après, il y a Tervat Boukvou qui a fait un nul contre Tervat Al-Kharoub, du stade Boukvou, le 1er novembre, du Boukvou, avec un nul sous le goût d'une défaite. Pas parce que c'est, mais parce que Boukvou, vu les résultats, la défaite, Borjumnaïl, Boumerdez contre Tervat Al-Mourdien Batna, ça te lâche des points, mais voilà, ça te lâche deux points de Zber. Tervat Boukvou est oui, Thmania Tanqidin le deuxième. Et je pense que Thmania Tanqidin et au Mazel des matchs à l'extérieur et tout. Il y aura des équipes pour Jimnayon Wereb Tsurah Tanqidin, Batna Tsurah Tanqidin. Il y aura beaucoup d'équipes Mtigay Tsurah Nakoye, Tsurah Nakoye, des points à gauche à droite. Donc 8 points, c'est un véritable matelas pour aller chercher la première division. Mais enfin, au moment du match, il y a eu quand même un problème d'efficacité, ça c'est clair et net. Mais il faut analyser le match. Si on veut le débriefer d'un point de vue tactique, c'est que Tervat Al-Kharoub tout cède à se défendre. Tout cède depuis le début du match. Elle est dans la dernière seconde. L'Aven bloque bas. C'est clair net. L'Aven bloque bas. Il y a la charnière de Al-Kharoub qui a fait un match monumental. Voilà, le premier mi-temps et même la deuxième mi-temps, il y a particulièrement aucune action Tervat Al-Kharoub, c'est-à-dire que même dès la transition rapide, même et Idli maintenant les deux charnières, que ce soit la charnière ou le Kharoub, Iksan Khirlekh Dim par rapport à les attaques chaque seconde, la manière que vous sienna d'infiltrer la défense, que ce soit à gauche et à droite, de laisser les balles longues en profondeur avec un joueur camerounais, ça n'a pas pris, mais donc il y a eu quand même un travail de Mlih Mlih qui a fait la défense de Tervat Al-Kharoub. Et cette fois, on peut aussi mettre en avant la défense de Tervat Boukvou qui avait un grand espace à couvrir dès la transition rapide de Al-Kharoub et surtout mes Barako et tout, ça a été très très propre. Le problème est là, c'est que c'était un match piège, un match end down, tu vois, toujours les matchs de jour de match à guerre, l'équipe ne se défendait, c'est déjà rohé, c'est que les défenseurs, il y en a du Rald Maldini, il y en a du Rald Cafo, il y en a du Rald Poyol, le gardien du Rald Buffon. C'était ça. Donc, ils avaient besoin d'un exploit individuel ou de nous serrer à Boulaoui, d'être qui passe à côté, il fait pas le match nique, dans la finition, dans la création, c'est un joueur qui dit beaucoup de choses. Adrar, voilà, il est passé même, il y avait un problème de finition. Donc, il y a l'exploit individuel de DSN. Ou de nous serrer parce que collectivement là vous dominez, créez les occasions, créez les situations, mais ça arrive face à une défense de fer Tervat Al-Kharoub. Pour moi c'était pas c'est même si à un certain moment nous reste sur ton deuxième mi-temps, il y a quand même les clés de jeu Boukvou, c'est-à-dire que le jeûner sur les ailes avec le dédoublement les latéraux Maglaytsou attal شغل ni Maglaytsou bloqué le l'idée gagne fondamentale Tamzouarous que met en place Tervat Boukvou. On est obligé d'aller chercher les centres pour chercher Boulaoui par exemple en première intention. Mais l'axe
يوخي دي غانت دونك ما قال لي زيل افيك لو طراباي دي 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 زيليا دي وانا سوغ على قن لو كوز لي لاتيرو تاع ماكس كي كو ميم كابابل دو ريبوسي تو توت لي تونتاتيف نقول بلي يا با دوتر انيسياتيف على دي اس ان دونك يا با بوكو دانفيلتراسيون دي لاكس هذيك نجيو لك برناي تو ايزوري بي ميم انفيلتري دي لاكس يا سي دافوار ان كوفرون قربنا لي 18 دافوار ان بينالتي افوار كيك شوز دونك ولا بلي سي لا ريبيتيسيون دي سي توجور سي فري الفوتبول تو quand tu travailles quelque chose et les entraînements c'est pour le pratiquer dès le match et pour le répéter dès le match tout le match parce qu'à un certain moment ça va passer ça va fonctionner mais même grâce au ça fonctionne pas il a que chouia voilà il a que chouia une ouais lève et essayer de trouver un autre plan A, plan B, plan C pour essayer de déstabiliser Tervate Guinée dans le groupe, mais bon, ça c'est pas le cas, mais c'est quand même un match qui va laisser à réfléchir Tervate Bourgvaux pour les matchs à suivre. 6 points, c'est quand même un bon ratio. Et les prochains matchs, il y aura quand même 3 matchs, il y aura beaucoup de matchs, il se mène 10 jours. L'accession, ça va se jouer avec Guinée, ça va se jouer les matchs à Guinée et 10-2. Qu'on va bien évidemment revenir et débriefer The Guinea. Faudrait nous voir le mercato travers la GSA. On a déclaré les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de noms qui ont été cités. Il y a eu les noms qui ont été ciblés. Les noms et différents des réseaux comme le nom de Hamaron, Ch'ti et tout. Il faut être logique. Les joueurs de Guinée, c'est quand même des âmes sans Kanakegi jeter Kanakegi pour les médias, pour les supporters, Béchadamnen. Alors que les joueurs de joueurs de Guinée, ou qui dit, c'est la chose la plus, la primordiale à savoir. Et Tisnes, nous voilà le duel, le conflit Garzafour, la coude et Judy sur qui recruter. Il y a quand même beaucoup de mésententes avec les deux clans. Il faut dire les choses. Nous voilà blé del mercato et Guinée. Zafour a été mis de côté. Il n'a pas été mis en réalité ذي المركاتو يجين اللي غير عشر شلول لكذا ايت جودي مي كو جو فو كومبروندر اون شوز سي كو شلول نوالث ذي المركاتو يجين سا سي دي سور بارتو ميم سا ايتي ديكلاري كو نتا لكذا ايت جودي سي او كي فون فير لو مركاتو. Et la question là, la femme Zouerous, sur quel plan, sur quelle base, Achon Chelou va recruter des joueurs? Sur quelle base? Anzara Belli, c'est quelqu'un qui, Hadjo Balo, il y connaît pas. Donc, sur quelle base, dit Chimi Manis, c'est le mercato. Partout, dans le monde, dans le football, le mercato, il se voit comme l'entraîneur et le DTS. Et le manager et l'entraîneur adjoint le l'entraîneur la réserve il soit un mec qui l'entraîneur d'un système zoura il est dans la discussion. Écoutez, l'entraîneur n'est même pas dans la discussion aussi tu es même pas pour faire le mercato alors que ça l'entraîneur a tel mascien l'entraîneur et n'importe quel c'est lui n'importe Almeida contre le mercato mascien Almeida c'est une équipe de recrutés ça là tu il veut pas de recrut. Il veut une recrue nationale. Elle est une des top players. Vous voyez qu'on a besoin de ça, vous voyez. Ok? Donc, il veut pas de mercato. Donc, Wigini, pour eux, il a qu'à de recruter. Pour eux, il a qu'à de recruter. Donc, écoutez, l'entraîneur, c'est une chawarara. On a de recruter un connu. Tu recrutes un entraîneur, il a déjà les joueurs, Wigini. Pas la miquette, ni se lave, ni se lave, après, ils vont pas fonctionner, pas de soirée, Wigini, Wigini, Chikini, Dibouin. Donc, c'est pas normal que, l'entraîneur n'est même pas dans la discussion dans le mercato. Et à sa place, on a un président qui est là en sa qualité belek de gestionnaire. Il n'est pas là en ses qualités de footballeur, en ses qualités de connaisseur en football. C'est une réalité, c'est un fait. Il est là belek en ses qualités de gestionnaire. Que
L'entraîneur en chef n'est même pas dans la discussion dans le mercato. Et que le président qui est donné qui a la relation avec le football, il est dans les discussions pour le mercato. C'est qui c'est pas Zegiken, Nzmered n'a répondu sur, Nzmered n'a répondu que ça va être un échec. Le mercato va être un échec. Parce que le mercato, il venant avec l'envie, avec ce que cherche l'entraîneur. Comment on va jouer l'entraîneur? Comment on va, l'idée que va pratiquer l'entraîneur? Mais l'entraîneur, il y a un latéral offensif. Qu'est-ce que c'est d'un latéral défensif? Même si c'est vrai, il a, même si c'est vrai, il va mettre en place son jeu. C'est un simple exemple, la même chose. Mais de gain, ça, c'est des personnes qui n'ont aucune relation avec le football, qui gèrent un club avec un JSK, et qui mettent tout en place pour faire des choses où ça a le manière avec le football. Parce que si on est qui ah, on met être judé, ah, il redonne l'histoire de la JSK, il aide la JSK, et judé, و دوك عارق يسمعون كوني بغا تفهم ميوت الحاجة أمي تعرض دو ريكروتير تعرض تخمض كوميسيون باش دو ريكروتير يوتيري هذيك سو لونترينور أمي نيشتكي كيما نفهم نكوني ما إلا ويك زمان غادي يسفهم غادي يسفهم أمي كتروح هذيك شاد دو ريكروتير لونترينور وتتشاور طارا خاطر لونترينور ما تشاورت يديني تشركروتير دونك غير دو ريكروتير L'entraîneur n'est qu'une recruteur. Il n'est qu'un David Wag. Ou il n'a pas sous mes rares qui t'aiment. Et il est un recruteur. Il est un recruteur. C'est la question. Il est un recruteur. L'entraîneur n'est pas. Ça fait que je suis un recruteur. L'entraîneur n'est pas un recruteur. C'est un recruteur. Vire-le. Oui, l'entraîneur n'est pas un recruteur. Il est un recruteur. C'est des intérêts, c'est la guerre d'intérêts. Ça n'a jamais été une guerre pour réhabiliter le club, parce que Manuel, ce qui doit être fait, c'est assez clair. C'est mettre en place tous les moyens pour un entraîneur pour qu'il puisse mettre en place la vie, mettre en place le jeunesse et tout ça. Mais malgré les entraîneurs, voilà, tu vas à l'encontre de Boine Diakar parce que uniquement que tu vas de recruter, tu veux placer Flan. Après, évidemment, il y a un courant qui se met à dire, nous on va aller parce que Wagi se met à dire Wagi sur le banc. Voilà, c'est tout comment ça se fait. Donc à un certain moment, ça va être un échec. Donc pour moi, le mercato, quoi qu'il advienne, va être un échec. Ailleurs, par rapport à les bases, qui nous détourne les bases. Il va être un échec. Mais que la winette de recruter, mais c'est l'entraîneur, ou même pas, il sera même pas d'achouer la balle. Sur quelle base, et tu le vois, est-ce qui est surprenant, il est souhaimen, mais il est choqué, C'est que toi, par exemple, dans d'un journal, qui est, ni de liberté, ni voilà, en gros, le mercato, Zafour, Kharij, Vara, la commission, le mercato, si Khadam Shloul, et a été chuté. Et c'est écrit normal, c'est écrit dans un journal, c'est écrit en première page, en gala, c'est écrit normal, pour eux c'est normal. Tu vois, même le football, même que vous avez joué le football, vous avez joué le sport, vous avez fait fonction. Alors, l'entraîneur, il aime jouer, c'est un chelt. L'entraîneur, il a joué, il a joué, mais c'est assez surprenant que
c'est une normalité. Que l'on lâche, qu'il y a une, oui, on s'en fout, mais il y a une, il y a la question, oui, il y a une, puisqu'il est là. Donc, il a son mot à dire. Se faire la haïole, il y a toujours un bruit qui va circuler à gauche, à droite. Mais la parole de l'entraîneur, dit la conférence de presse, il y a une, je n'ai pas besoin, je n'exige personne. Vraiment, il y a une, et qu'on l'écoute pas, qu'on va recruter, faut qu'on nous explique qui a exigé ces joueurs, qui va les faire jouer, sur quelle base tu les as recrutés. Donc, pour moi, ça va être un échec. Ça va être un échec. J'ai pas l'habitude de prendre dans le pied de carne une décision, je laisse le temps, tu vois, mais pour moi ça n'a aucune logique sur les gens, tu vois, de recruter sans même être sur l'entraîneur, c'est pas normal. Où est-ce qu'un c'est du n'importe quoi, pourvu qu'une quête d'avoir la commission, une quête d'avoir, je vais satisfaire un manager, je vais satisfaire un ami, c'est comme ça qu'on le voit, c'est comme ça que fonctionne le football là, et ça va continuer à être ainsi. Parce que des gens, ils sont incompétents. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà. Vegas m'a raté de par rapport à le mercato, par rapport à le débrief de la fête de vous. Et, l'actualité. Mais, garde, dit le débrief, la Coupe d'Afrique, dit la chaîne secondaire. Avec, c'est un très bon match. Un très, très bon match. Le Maroc, elle avait contre la Tanzanie. Ça va être un match, on va voir beaucoup de choses. On va voir les coupes d'Afrique avec qui n'a pas de logique à l'écoulé, mais ça va se jouer au physique, puisque les conditions vont rendre, et on va reparler de l'équipe nationale, du retour d'Amora, et je sais que c'est la chaîne secondaire.